intéressant. Au moins 10 personnes enlevées en Haïti, près de la capitale, Port-au-Prince, parmi eux deux Français, un prêtre originaire de Bretagne, une religieuse de Mayenne, les ravisseurs, membres d'un gang violent, demandent une rançon d'$1 million. Un test Covid à la maison, les autotests pour les plus de 15 ans en vente dès aujourd'hui en pharmacie à 6 € l'unité. Ils peuvent être difficiles à trouver dans un premier temps, réservés en priorité pour les enseignants pour préparer la rentrée. Les plus de 55 ans peuvent avoir dès aujourd'hui sans condition une injection d'AstraZeneca ou de Janssen, de Johnson & Johnson, 4 millions de Français éligibles. Les délais entre les deux doses de Pfizer et Moderna, lui, rallongés, ils passent de 4 à 6 semaines. Réunion entre syndicats agricoles et plusieurs ministres au ministère de l'Agriculture après l'épisode de gel. Certains arboriculteurs ou viticulteurs ont tout perdu. Les aides les mieux adaptées doivent être redéfinies. En rugby, ce sera Toulouse, Bordeaux et La Rochelle, Leinster, trois clubs français face à un Irlandais en Coupe d'Europe. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braque.